Bonjour et bienvenue sur Hashtag Je suis moi. Alors on se retrouve aujourd'hui chez Ben. Bonjour Ben, bonjour. On est à Chambord. Tu nous accueilles dans ta petite maison qui est très mignonne et tu vas nous parler de ton histoire, ton handicap et de tout ce qu'il y a tout autour. Est-ce que tu peux te présenter d'abord pour commencer? Qui es-tu Ouais. et ce que tu fais dans la vie? Alors déjà on est à Chambord mais ma maison n'est pas aussi grande que Chambord. Donc je m'appelle Ben, j'ai 34 ans et je suis amputé depuis 3 ans maintenant. Quelle est ton histoire? Pourquoi tu as dû subir une amputation? Quand est-ce que ça a commencé? Par quoi ça a commencé? Donc au départ, je suis né avec un pied bovarus équin, donc handicap de naissance. J'en avais un de chaque côté, voilà, comme ça équilibrait un peu. Il y a un côté où ça s'est vite rétabli avec de la kiné, et de l'autre côté, en fait, ma jambe droite, j'ai eu deux opérations, une à 4 mois, une à 4 ans, et puis après, beaucoup de kiné, beaucoup de rééducation. J'ai eu aucun problème pendant, on va dire, 20 ans, et un jour, en fait, je me suis réveillé une nuit, j'avais les os de mon pied, en fait, j'avais mon pied qui avait vraiment gonflé. Il avait triplé de volume et au bout de quelques heures, on va dire, où j'essayais en fait de contenir ça, je me disais c'est pas normal, mais j'essayais quand même de contenir. Je me suis dit il y a un problème là. Donc le lendemain, je suis allé voir le médecin et parce que mon médecin traitant en fait pensait que c'était des entorses à répétition, alors que mes parents m'avaient quand même appris pendant toutes ces années à connaître mon corps. Donc je suis allé voir le médecin. Et il m'a envoyé faire des radios. Et au niveau des radios, ils se sont rendus compte que j'avais tous les os du pied qui étaient entièrement décalcifiés. Donc ça me faisait, en fait, sur la radio, c'était flagrant. On avait l'impression de voir du gruyère. Enfin, c'était... Et c'est dû à quoi? On le sait aujourd'hui? Au départ, ils ne le savaient pas. Les médecins, j'ai été envoyé de médecin en médecin. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Surtout que je m'étais dirigé vers les métiers du sport. Le sport, ça a toujours été toute ma vie. Et puis, les premiers médecins qui me disent « Le sport pour vous, c'est fini. » Vous faites plus rien du tout pour l'instant, enfin tant qu'on n'en sait pas plus. Sauf que pour l'instant, ça a duré 1, 2, 3, 4 ans avant que je puisse avoir une première opération et puis que les médecins trouvent réellement ce que j'ai. Donc j'étais envoyé de chirurgien en chirurgien, de rhumato en rhumato. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était dû à une grosse carence en vitamine D. Donc tout le monde a une carence en vitamine D, mais là, elle était vraiment très très grosse. Donc il y avait ça, plus encore d'autres choses qui se rajoutaient, mais il n'y a pas eu de nom dessus, il n'y en a toujours pas, mais bon, sur le moment j'avais du mal à l'accepter parce qu'on a tous ce besoin de savoir réellement ce que l'on a. Ouais. Maintenant j'ai appris à l'accepter et voilà, ça va, ça s'est stagné. Il y a eu une nuit en fait, quelques mois après les premiers symptômes, où c'était la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Je commençais à plus sentir mon bras, mon cœur qui se compressait, je commençais à avoir chaud, ça allait pas trop. Donc on a appelé le SAMU, mais bon, cette nuit-là, c'était un peu compliqué, tout le monde était overbooké, c'est la nuit un peu la plus chaude de l'année. Donc je suis allé aux urgences, et arrivé aux urgences, ils m'ont fait passer devant tout le monde. Et en fait, je faisais une péricardite. Donc en soi, il y a plusieurs stades de péricardite. Il y en a des plus ou moins graves. Là, apparemment, ça allait à peu près. Donc c'est l'inflammation du péricarde, le muscle qui englobe le cœur. Et au bout de plusieurs examens, ils se sont rendus compte que c'était dû aussi à mon problème de pied. Parce que vu que ça s'infectait au niveau du pied, le sang, l'infection, ça va dans le sang, ça remonte au niveau du cœur. Et en fait, ça, j'en ai fait vraiment plein pendant toutes ces années de galère, on va dire une dizaine d'années. Donc j'ai eu une première opération, c'était une arthrodèse complète de tout le pied, pour consolider tout le pied. Donc en fait, on m'a pris un bout de crête iliaque, c'est ce que tu as à côté de la hanche. D'accord. Pour vraiment consolider tous les os. Donc le but, c'était que je puisse remarcher correctement, parce que je marchais avec une canne, des béquilles ou fauteuil. Sauf que oui, ça m'a consolidé le pied les 6 mois où j'ai fait la rééducation. Sauf qu'à partir du moment où ma rééducation, entre guillemets, était terminée, parce que ça se termine jamais, je continue à aller chez le kiné régulièrement, en fait, mon pied continuait à se décalcifier. Les plaques et les vis qui m'avaient mises,
Finalement, ça servait à rien. J'avais plus du tout de mobilité au niveau de la jambe, enfin au niveau de la cheville. J'avais entre 4 et 5 cm d'écart entre les deux jambes, donc j'étais un peu bancal. Enfin, tu mettais un niveau, c'était pas terrible. Effectivement. Voilà. Et donc, déjà à ce moment-là, en fait, le chirurgien m'avait parlé d'amputation, mais j'étais pas forcément prêt. Et puis, l'opération n'a pas forcément marché. Mes infections au niveau du cœur, c'était de pire en pire. Les infections au niveau du pied aussi. Et puis, donc, c'est pareil. Fallait reprendre ce processus-là. J'ai été envoyé voir un chirurgien qui m'a envoyé voir un autre chirurgien, et ainsi de suite. Donc, ça a duré assez longtemps. Et je suis tombé sur des chirurgiens qui me disaient que la seule solution, c'était l'amputation. Mais que c'était pas débouché et qu'ils allaient pas me faire ça, parce qu'en général, en France, on a plus la vision de l'amputation, c'est le dernier recours. Oui. Alors que tu prends aux États-Unis, en Angleterre, ils sont habitués avec leurs blessés de guerre, où en fait, ils vont le proposer dès le départ. Voilà. Mais de toute façon, je pense que si j'avais pas eu tout ce processus-là, même s'il a été long, il a été pénible, que ce soit pour moi, pour mon entourage, si j'avais pas eu tout ce processus-là, entre guillemets, d'acceptation, en fait, je pense que j'aurais pas vécu aussi bien mon amputation. D'accord. Dans mon entourage, enfin, y a Marie-Amélie Le Fur qui Oui. est dans mon entourage. Donc, elle et Mathieu, son mari, m'ont vraiment aidé dans mes choix, en fait. Le fait de voir qu'elle pouvait faire plein de choses, que lui, il avait aucun problème avec ça, parce que c'est important aussi de voir au niveau relations ce que ça Oui. peut donner. Je pense que où ça a été le plus difficile, ça a dû être pour ma mère d'accepter qu'il y ait une amputation, parce qu'elle m'a connu avec toute la rééducation quand j'étais petit. Et puis, enfin, voilà, je suis, entre guillemets, je suis son bébé, tu vois. Enfin, même si je suis adulte, c'est un peu ça. Et donc, elle, je pense que ça a été beaucoup plus difficile. Mais en fait, tout mon entourage, que ce soit mes sœurs, mes neveux et nièces, mes parents, mes oncles et tantes, enfin, mes amis très proches m'ont vraiment aidé là-dedans. Et donc je suis tombé sur un bon chirurgien qui m'a en fait expliqué qu'il pouvait peut-être sauver ma jambe, mais que j'allais repartir pour plusieurs opérations, mais que de toute façon c'était juste pour avoir du sursis entre guillemets, mais que j'arriverais quand même à l'amputation. Donc lui, il pouvait pas me dire faut choisir ça, Ouais, c'est à moi de c'était ton prendre. choix. C'était mon choix. Mais il me donnait quand même 2 ans pour, en gros, au bout de 2 ans, sauf si au niveau du cœur ça s'aggravait, au bout de 2 ans, Il je fallait le passais, faire. il fallait quand même le faire. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire du coup, d'attendre ces 2 ans ou de le faire dans la foulée? Bah, sur le moment, j'étais hésitant et finalement, en fait, lui, il m'a orienté vers, pareil, un centre de rééducation où j'ai rencontré une médecin qui était vraiment top. Qui m'a dit qu'elle pouvait m'accueillir avant au centre de rééducation pour pouvoir me préparer. Donc ça a été un plus. Même si c'était un centre de rééducation qui n'était pas proche de chez moi, ça a vraiment été un plus. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est maintenant. Je me suis dit, bon, je laisse passer l'été quand même. Je vais les profiter un peu une dernière fois, tremper mon pied dans l'eau. Enfin, voilà, c'était des petites choses simples, mais je voulais quand même en profiter avant. Et puis en fait, je suis passé en gros en 3 mois de temps, c'était décidé. Et puis, je suis allé au centre de rééducation, ils m'ont préparé. Et puis 2 semaines après, en fait, je me faisais amputer. Et une fois que tu t'es fait amputer, t'as senti ta vie changer? Est-ce que t'as vu un nouveau tournant, même si malgré ça, t'as perdu ta jambe? Et du coup, comment ça s'est passé aussi intérieurement dans ta tête avec cette jambe en moins? Bah, ce qui est marrant, enfin, oui, si, ce qui est bizarre plutôt, c'est que quand je me suis réveillé, j'ai eu une sensation de soulagement. Enfin, c'est impressionnant, pas le fait de plus avoir ma jambe, mais le fait de plus ressentir de douleur. Parce que oui, il y avait les petites douleurs de l'amputation, ce qui est logique, après une opération, on a toujours des douleurs. Mais comparé à l'arthrodèse que j'avais eue, enfin là, l'arthrodèse, c'était beaucoup plus puissant, les douleurs. D'accord. Là, j'ai été habitué à 10 ans de douleurs où je dormais 1 à 2 heures par nuit, j'étais fatigué tout le temps, j'avais mal quand je marchais, je sentais mes os qui se cassaient. Là, en fait, je me suis réveillé et enfin, j'ai eu une sensation de soulagement. Et tout de suite, pour moi, ça a été, je veux absolument voir ma jambe.
Je voulais voir à quoi ça ressemblait pour me rendre compte et accepter tout de suite. D'accord. Donc j'étais en salle de réveil et je voulais absolument enlever les draps, sauf que t'es tout Oui. emmitouflé. Donc j'ai appelé les infirmières, elles étaient non, 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 il faut y aller progressivement. Je fais si, si, je veux voir ma jambe. Donc elles ont ouvert et j'ai vu ma jambe et là, je me suis dit, ah, c'est bon, je passe à autre chose, c'est le début d'une nouvelle vie. Donc dans ta tête, ça s'est fait très vite. Toi, l'acceptation, elle a été directement là, puisque au final, tu sais, c'était plus de 10 ans de galère avec ton cœur, ta jambe, tes os, tout ça. Et donc là, ça a été waouh, c'est on passe à autre chose. Et au final, du coup, dans ta rééducation, donc réapprendre les choses avec une seule jambe, ça a été facile ou pareil, ça a quand même été un peu plus compliqué que tu le pensais? En fait, depuis le début de ma vie, finalement, j'ai toujours été habitué à faire de la rééducation, à avoir des opérations, à repartir de zéro et ainsi de suite. Là, c'était plus compliqué. Mais en même temps, je savais à quoi m'en tenir, j'étais prêt. Les soignants du centre de rééducation étaient vraiment top. La psychologue de là-bas, enfin, m'a vraiment mis à l'aise. Et c'est vrai que les 2 semaines avant au centre de rééducation, ça m'a vraiment préparé. Et ça m'a aidé vraiment pour l'acceptation et pour la rééducation. Donc c'est allé assez vite. Au départ, je pensais même, enfin, il y avait les médecins qui me poussaient parce que ça allait vraiment vite. Au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines, je remarchais. Alors que dans ce centre de rééducation-là, c'était pas forcément comme ça que ça se passait habituellement. Mais en fait, j'ai plus pété les scores de l'autre sens parce que, au bout de quelques semaines, donc j'ai remarché. Au bout de quelques semaines, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de mon moignon. Et j'avais le muscle qui s'était. En fait, le chirurgien avait coupé trop long. 3 cm, c'est rien. Mais vu que j'avais déjà les muscles qui étaient atrophiés, en fait, les muscles étaient trop tendus. Ça, les fils n'ont pas forcément tenu. Et donc, du coup, j'avais le tibia qui commençait à transpercer un peu la peau. Donc, il a fallu que je Te repasse. réamputer. Voilà, me Donc là, tu réamputer. as passé une deuxième fois sur la table d'opération pour faire une deuxième amputation. C'est ça. C'est un coup dur ou au final, Bah tu l'as quand même bien pris? là, ça a été très dur cette période-là parce que là, ça a été long. En fait, je me suis fait amputer. La première amputation, c'était fin novembre. Et en gros, mi-mars, le 21 mars, je me faisais réamputer. Donc en attendant, il fallait soulager les douleurs, continuer la rééducation pour pas que. Continuer à tonifier quand même la jambe. Enfin, c'était un peu compliqué. Il fallait vraiment atténuer les douleurs parce que c'était lourd. Et puis moi, psychologiquement, là, ça m'avait vraiment cassé. Parce que je m'étais dit, ouais, c'est bon, je sors du centre de rééducation au bout de 3 mois, après je me remets à courir. Enfin, dans ma tête, j'étais Ouais, déjà c'était, parti t'avais loin. planifié Voilà, tout c'était ton futur planifié. avec une jambe en moins, mais au moins tu pouvais voir ton futur, aller courir, reprendre le C'est sport, ça. puisque tu le disais, hein, le sport c'est ta vie. Ouais. Et là, nouveau coup dur, c'est reparti, on refait, etc. On arrive du coup à la deuxième amputation, et là, ça va mieux, tu reprends espoir. À la deuxième amputation, je me suis dit, ah, bon, c'est bon, normalement là ça va le faire. Mais en fait, les consignes c'était d'y aller plus tranquille. Enfin, fallait, en gros, moi je voulais y Et aller, toi, tu voulais mais tabasser dedans, mais... c'est ça. En gros, la consigne c'était fallait me ralentir un peu sur tout, y aller progressivement parce que ça avait déjà été traumatisé une première fois. Donc fallait vraiment faire attention à ça. C'était moins compliqué que les 5 mois d'avant, mais ça restait quand même compliqué à ce moment-là parce que je pouvais pas aller au rythme que je voulais. En fait, c'est ça, j'ai appris la patience. Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était. J'ai galéré pendant les 10 années d'avant. Là, ce que je voulais, c'était vraiment y aller Et profiter, quoi. et profiter un max. Ouais. Ok. Et justement, là, aujourd'hui, t'en es là. Est-ce que t'as encore des douleurs? Est-ce que tu as ce qu'on appelle les douleurs du membre fantôme? Est-ce que tu as ce côté encore gêne? Ou alors là, ça y est, on découvre le Ben qui reprend le sport et qui vit à fond, quoi. Alors j'ai quelques gènes de temps en temps, on va dire que c'est plus mécanique parce que depuis la sortie du centre d'éducation, je fais de plus en plus de sport, donc je me tonifie, je perds du poids et c'est vrai que tant que mon poids n'est pas fixe, en fait, faut changer les emboîtures. Au départ, je partais, pour te dire, ma première emboîture, en fait, au Nouvel An, j'ai mis une bouteille de champagne dedans avec des glaçons, tu vois, donc c'était vraiment énorme. Ça sert bien pour. Voilà, pour l'exemple, Alors, c'est c'est pas mal. peut-être pas trop l'utilité première de Non, de non, cette mais recette. c'était pas mal. Mais par contre, maintenant, c'est beaucoup plus fin.
Donc, il faut changer les emboîtures régulièrement. Là, ça commence à se stabiliser. Mais autrement, vraiment, depuis la sortie du centre de l'éducation, je fais 1 à 2 heures de sport par jour. Donc, pas forcément au départ sur la prothèse. Il y a des fois, quand je peux pas, bah, je vais quand même faire du sport, du vélo d'appartement sur une jambe, du renforcement musculaire. Rien n'empêche de le faire sans la prothèse. J'essaie toujours de trouver une solution parce qu'en même temps, j'en ai besoin aussi. Ouais. C'est vraiment un besoin. Et puis maintenant, bah, j'ai des. Enfin, le sport, ça a toujours été ça. Mes parents, en fait, ils m'ont toujours motivé par le biais du sport. Même si. Enfin, mon père, lui, est vraiment passionné de sport. Ma mère, un peu moins. Enfin, elle aime bien le regarder. Elle dira qu'elle n'est pas du tout sportive, mais elle fait quand même 1 heure de yoga par semaine, du vélo d'appartement et de la marche. Donc, finalement, Donc elle elle est est sportive. sportive. Voilà. Et en fait, bah, je pense que le fait d'avoir eu un problème petit, je me suis. Le sport, en fait. On va dire que le handicap, mon handicap, c'est ma force. Et ça a toujours été ça, mais ça m'a permis, en fait, par le biais du sport, de me dépasser. D'accord. Et mes parents, en fait, avaient compris ça et eux m'ont vraiment motivé là-dedans. Donc depuis petit, c'était le but, c'était enfin, pour moi, quand je recevais par exemple le bulletin de notes, je regardais pas toutes mes notes, maths, français, tout ça. Oui, Je tu regardais regardais la le note de sport. sport, si j'étais au-dessus de la moyenne, dans les premiers, enfin, c'était surtout ça. Donc mes parents, eux, c'était sport plaisir, surtout le sport partage, sport loisir. Et donc là, c'est ce que je redécouvre, parce que 10 ans sans pouvoir vraiment faire de sport, c'était dur. Je pouvais même pas regarder du sport à la télé, alors que j'étais un grand passionné. Donc au final, ça m'a calmé un peu là-dessus, parce que j'en regardais un peu trop. Mais maintenant, ce que je voulais, c'était surtout aussi sport compétition, sport défi. Enfin, je D'accord. voulais vraiment ce côté défi. Je m'étais dit, bon, bah voilà, je remarche. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux recourir. Effectivement, oui. Voilà, c'était surtout ça, recourir. Et est-ce que justement, réapprendre à marcher avec une prothèse, à courir avec une prothèse, à faire du sport avec une prothèse, c'était quelque chose qui a été compliqué ou au final tu l'as vite accepté cette phase de transition? En fait, les 4 années avant mon amputation, j'avais le pied qui était bloqué. Donc finalement, maintenant, j'ai beaucoup plus de mobilité avec une prothèse. Parce qu'il y a un rebondi, j'ai plus les douleurs quand je marche. Donc finalement, en fait, remarcher, ça s'est fait vraiment naturellement. J'avais une plus belle marche, j'ai vraiment une plus belle marche avec la prothèse que les années d'avant sans la prothèse. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un plus. Après, recourir, c'était autre chose. Mais la première fois où j'ai recouru, c'était avec mon prothésiste, où en fait, il y avait toute une journée d'organiser sur la course à pied, où on devait essayer des lames. Les personnes valides qui voulaient essayer aussi, ils pouvaient, parce qu'il y a des. Tu pouvais tester une lame sans être amputé en fait. D'accord, ok. Tu te mettais à genoux, tu avais une sorte de chausson. Enfin, c'était. Faudrait que je te montre, ça serait plus simple, parce que là, c'est un peu compliqué à expliquer. Et donc, mon prothésiste, en fait, au départ, me dit, bon, bah là, on va s'échauffer un peu, tu vas y aller tranquille. Sauf que moi, j'ai mis la prothèse, j'ai commencé à courir tout de suite, parce Parce que je qu'il voulais. savait que Ben n'allait pas tranquille, et ça, il Ouais, le non, savait pas mais du tout. dans la voiture, là, c'était à Rennes, donc on avait 3 heures de route pour y aller, et dans la voiture, je tenais pas en place. J'avais qu'une envie, c'était ça. Ça faisait 10 ans que j'avais pas pu courir. Et là, donc je commence à courir. Sauf que le problème, bah, c'est que les lames de course, déjà, les prothèses, c'est pas forcément évident au départ, mais les lames de course, en fait, tu peux pas t'arrêter comme ça au départ quand t'as pas le coup de main, parce que t'es propulsé vers l'avant. D'accord. Tu t'arrêtes comment du coup? Bah, après, t'apprends à t'arrêter. Normalement, mais Ok. au départ, en fait, bah, si tu veux t'arrêter correctement, t'es propulsé vers Ah oui, l'avant. ok. Moi, je commence à courir, et puis je suis là, donc le prothésiste qui me suit en courant. Et puis au bout de 400 mètres, déjà, il me dit, ouais, ce serait bien que tu t'arrêtes là. Et puis je sentais le lactique dans mes jambes, mais je voulais pas m'arrêter. Et puis en plus, dans ma tête, j'étais, ah, putain, comment je vais faire pour m'arrêter? C'est pas possible. Alors, comment t'as fait? Bah, j'ai sauté sur ma jambe valide pour pouvoir m'arrêter. Et puis lui, il m'a rattrapé au vol. Voilà, donc c'était assez émouvant en plus, comme la première fois où j'ai marché, c'était pareil. Je ravalais mes larmes, mais enfin, je voulais pas montrer, mais j'étais très ému. Parce qu'en même temps, il y avait plusieurs patients du centre d'éducation, des soignants qui voulaient venir me voir marcher, alors qu'à la base, c'était un peu à l'écart. Puis c'était. Donc ils avaient filmé, j'avais envoyé à ma famille.
Puis j'avais eu les messages de retour de ma mère, elle l'avait partagé à plusieurs copines. Et, enfin, voilà, et la famille, elle était, la vidéo, ouais, en fait, elle a fait le tour du monde sans que tu le saches, en fait. C'est un peu ça, ouais. Mais ouais, et puis là, pour la course, c'était pareil, c'était vraiment un beau moment. Et alors, tu parlais de défis tout à l'heure, tu avais besoin de te projeter des défis, ouais, de sport, etc. Est-ce que tu en as déjà défini ou est-ce que c'est en cours, etc.? Alors, dans les défis, il y avait le marathon. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore ça parce que, vu que je change d'emboîture, comme j'ai expliqué, il y a des phases de réadaptation. Il faut que je fasse attention aux blessures. Donc, je recours petit à petit. Le marathon, c'est pas encore ça, mais c'est toujours dans ma tête et je le ferai. Ça, j'en suis persuadé. Même si j'arrive pas au bout, au moins j'essaierai de le faire. J'ai envie de me mettre au triathlon. Enfin voilà, il y a plein de sports que j'ai envie d'essayer. Et en fait, quelques mois après la sortie du centre de rééducation, il y a eu le comité sportif paralympique français qui a mis en place un programme qui s'appelle La Relève. Et en gros, c'était ils recherchaient des profils de sportifs handi, mais des sportifs qui n'avaient pas envie forcément de faire du loisir, qui voulaient se lancer des défis et pourquoi pas les Jeux 2024. D'accord. Donc au départ, je me suis dit, ouais, je suis peut-être un peu trop vieux. Enfin voilà, j'en discute avec Marie-Amélie, elle me dit non, mais inscris-toi. Enfin voilà, il y a tous les âges. Et puis de toute façon, ça mettait jusqu'à 40 ans. Parce qu'il y a plein de sports différents. Enfin, on n'est pas obligé. Tu as des sports. C'est sûr que du sprint à 40, 40, 50 ans, tu vas être beaucoup moins vif qu'une personne de 25, oui, 30 ans. Voilà. Donc je me suis préparé pour aller à cette journée-là, j'y suis allé, donc on avait plein de tests sur la journée. Et à la fin de la journée, donc il y a les résultats, et en fonction des résultats, tu allais voir, tu avais tous les sports qui étaient répertoriés, et tu allais voir une personne qui représentait chaque sport en fonction de tes résultats. Et en fait, moi, mes résultats, ils étaient bons, je ne m'y attendais pas, ils étaient bons pour tous les sports. Donc ça, c'est bien, c'est sur le papier, mais après, c'est vrai que quand tu discutes avec eux, par exemple, sur l'athlétisme, moi, à la base, je m'étais dit, ouais, je vais courir. Et eux, ils m'ont dit, jeu 2024, à ce moment-là, tu auras 38 ans, le sprint, c'est peut-être, tu peux peut-être être meilleur dans un autre sport ou lancer de poids ou des choses comme ça, tu vois. Et moi, il y a le kayak qui m'avait bien plu. Il y avait le tennis aussi, mais je me suis dit, pour l'instant, je ne veux pas forcément utiliser, parce que au niveau du tennis, c'est avec en fauteuil. D'accord. Moi, pour l'instant, je n'ai pas envie d'essayer en fauteuil. Je laisse ma place à d'autres. Et il y avait le volley aussi. Et donc, ces deux-là, j'ai fait des essais. Parce que là, le programme La Relève, c'est des détections, ce n'est pas des sélections. D'accord. C'est pas parce qu'on les fait qu'on est forcément pris en équipe de France. C'est une première étape. Parce que avant, en fait, il n'y avait pas. Tu voulais faire un sport pour te renseigner, c'était un peu compliqué. Et là, il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place par rapport à ça. Mm-hmm. Ça évolue vraiment et ça va vraiment dans le positif par rapport à ça. Okay. Et donc après, j'ai fait les détections au niveau du volley et du kayak. Mm-hmm. Donc le kayak, je fais partie du programme La Relève. Donc c'est pas du tout équipe de France, c'est pour monter progressivement, t'entraîner, enfin faire des stages de temps en temps. Et après, je fais partie de l'équipe de France maintenant de volley. D'accord, ok. Et justement, toute cette période aussi, de il y a 10 ans à aujourd'hui, comment t'as pu aussi garder ce côté optimiste en fait? Parce qu'on te sent qu'aujourd'hui, t'as quand même le sourire aux lèvres, t'as quand même passé 10 ans à souffrir, on va dire, à cause de ton pied, de tout ce qui s'est passé autour. Et on sent aujourd'hui la banane et toute cette fraîcheur qu'il y a en toi et tous ces rêves. Alors, comment tu as fait pour garder ce côté Je sais pas forcément. Enfin, je pense qu'il y a une grande part, c'est ma famille, mes proches, mes amis. Enfin, ça, vraiment, tout mon entourage, ça m'a vraiment aidé. Les soignants du centre de rééducation aussi. Enfin, c'est toutes ces étapes-là, le fait d'être vraiment bien entouré, en fait, ça m'a vraiment aidé. Les 10 années d'avant, ça a été difficile, que ce soit pour mes proches, enfin mes amis aussi. Mais là, ouais, depuis le jour de l'amputation, c'est un renouveau. Et j'essaye de positiver un maximum, même si j'ai d'autres soucis aussi. Enfin voilà, j'essaye de passer au-dessus. Et
j'ai vraiment envie de profiter, enfin profiter un maximum. Au départ, la psychologue du centre de rééducation, elle me disait qu'il fallait que je sois fier de mon parcours. Enfin, j'avais du mal avec ça parce que j'avais vraiment galéré avant. Enfin, voilà. Pour moi, je me disais toujours que c'était dû à mon entourage, c'était grâce à eux. Donc oui, il y a une grande part grâce à eux, mais elle, ce qu'elle me disait aussi, c'est que j'ai trouvé aussi la force pour pouvoir avancer. Et C'est une grosse force. pendant plusieurs années, j'ai eu du mal avec ça, et là, je commence à l'accepter en me disant, ouais, je suis fier du parcours que j'ai réalisé là depuis ces 3 ans, en fait. Bah, je pense que tu peux être fière, oui, puisque c'est quand même ton corps, c'est toi, c'est aussi ta motivation. Et là, ce que tu m'as fait part, c'est que tu y es arrivé quand même. Donc, tu penses que tu peux être fière de toi, Ben, de tout le parcours que tu as fait. Je pense que toutes les personnes qui nous regardent actuellement pourront aussi être fières de toi. Et pour clôturer, on va dire, ce témoignage, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont en train de vivre un peu ce que tu aurais pu vivre, cette douleur, enfin, un moment où ils doivent se faire amputer ou alors ils sont amputés actuellement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en mots de soutien? D'essayer de vraiment bien s'entourer, et puis finalement que c'est pas parce qu'on a un handicap que la vie s'arrête, en fait. Après, oui, on peut décider, si on est une personne amputée, de rester dans son fauteuil et puis de ne pas bouger. Mais moi, je leur conseillerais vraiment de se bouger un maximum, de faire une activité physique, même si c'est pas de la compétition, mais rien qu'une activité physique, ça nous aide à mieux marcher après tous les jours. Et pareil, c'est pas parce qu'on est en fauteuil aussi. Enfin, j'ai des copains qui sont en fauteuil et c'est impressionnant tout ce qu'ils font. Ils font pareil, 2 heures de sport par jour. Je pense à Yann, c'est un pote du centre de rééducation que j'ai rencontré après, qui lui se bouge, c'est impressionnant. Enfin, tout ce qu'il fait, il est sorti du centre de rééducation il y a à peine un mois et demi, il vient de faire du ski. Enfin, tu vois, Effectivement, c'est. c'est pour montrer que ouais, peu importe le handicap, en fait, tout dépend de la volonté que l'on a, et je pense que l'on peut avancer comme il faut. Après, oui, forcément, en adaptant, parce qu'on peut pas, t'es en fauteuil, tu peux pas courir. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont compliquées. Il faut pas aller à la benne, être très brutal et aller tout de suite affronter. Ouais, Il ça faut. fait du bien aussi. Ben, Après, faut t'as des échecs réussi. pour pouvoir avancer aussi, c'est important. Ça, c'est sûr, c'est important. Ouais. Et ben, en tout cas, merci Ben de nous avoir reçus chez toi et de m'avoir livré ton témoignage. En tout cas, je te souhaite toute la réussite et je pense que je te suivrai dans tes nombreux sports que tu es en train de mettre et tes challenges. Et notamment, si tu fais ton challenge marathon, invite-moi. Hein. Moi, je viens avec toi, je te filme, je t'accompagne, y a aucun souci. Merci. Et ben en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur hashtag Je suis moi pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos histoires avec moi, tout simplement. À très vite!